Coucou les filles et les garçons, aujourd'hui je fais une vidéo update de mes rangements. Donc j'avais déjà fait en fait cette vidéo, mais comme une andouille, je l'ai effacée, donc je recommence. Donc là je suis collée à la porte et donc je vais vous montrer vite fait. Alors je m'excuse parce que la luminosité ici c'est pas terrible. Donc là contre le mur vous avez mes fameuses étagères que vous voyez d'habitude au sol. Donc là en bas il y a juste des vieilles boîtes où il n'y a plus rien dedans. Un sac de vêtements hein, au milieu, je sais pas si vous voyez, mais où je trie, que je dois vendre. Et au fond, des cartons, des choses comme ça. Ici, vous avez donc mes foulards et mes écharpes, mes bonnets. Et puis, dans les deux boîtes ici, vous avez mes gants. Voilà, au-dessus, c'est un petit peu de bordel. Ici, vous avez donc tout ce qui est manteau, veste, etc. En dessous, donc, vous avez mes chaussures. Ici, vous avez mes ceintures. Que il y en a encore que je ne peux pas encore bien mettre, mais bon, c'est pas grave. Donc là, mon sac où je vais partir. Donc, quand je vais partir, voilà. Contre le mur, vous avez ici toutes mes cartes postales de mes abonnés, etc., etc. Enfin, et quelques autres cartes postales de personnes qui me sont chères. Si vous voulez faire partie de mon mur à carte postale pour continuer à le remplir, n'hésitez pas. Voilà. Donc ici, on a tout ce qui est encore gilet, quelques vestes, des robes. Au fond ici, on a le swap que je fais avec Caro, donc, qui est une de mes abonnées qui vient du Québec. Et puis, ce swap que je fais avec elle, en fait, il va durer sur plusieurs mois. Voilà. Donc en bas ici nous avons tous mes sacs à main, ici vous avez toutes mes chaussures, donc là en dessous c'est plus des bottes que j'ai mis que les chaussures basiques quoi, donc voilà, là c'est plus les chaussures basiques. Là il y a un petit peu tout dans ce petit rangement, à côté vous avez le petit seau où je mets tout ce qui est pour les ongles que j'utilise à chaque fois que je me fais une manucure. Ici vous avez, comment dire, vous avez tout ce qui est... réserve de produits, voilà. Au-dessus vous avez donc encore pour le vernis, donc là ici dans cette box vous avez tout ce qui est stickers, etc. Et puis là-bas donc c'est les vernis à nail art. Donc ici c'était ma vieille maison de poupée, ici c'est des produits que je dois trier et vendre. Ici vous avez donc tout ce qui est vernis, donc voilà tous mes vernis. Donc on voit pas bien les vernis, leur couleur, parce que vu que c'est dans un endroit sombre et la lumière n'est pas terrible, elle ne donne pas forcément la bonne teinte. Donc voilà, tous mes vernis. Ils sont pas magnifiques, franchement. Donc ceux-là, voilà, c'est juste... déjà parce qu'ils sont beaux, mais aussi pour... parce que c'est un cadeau, donc voilà. Et donc voilà. Donc nous arrivons ici. Donc vous avez déjà vu mon petit lit ici où il y a mes invités. On a une réserve de carton. Au-dessus on a tout ce qui est donc pour les bijoux. Voilà. Tout ce qui est pour bijoux. Donc mes montres, mes bracelets, mes boucles d'oreilles, mes puces d'oreilles, etc., etc. Donc ici vous avez le premier meuble, donc sur le fond ici vous avez tout ce qui est pour les cheveux, donc tout ça là, ça, puis ça, c'est tout pour les cheveux. Bon, pas les cotons, mais bon, il fallait les mettre quelque part, donc je les ai mis là. Vous avez les grosses palettes, donc là on a la version limitée des nudes de chez ELF. Ici on a une palette que moi j'avais composée, elle est dans une boîte à crayons. Et ici on a une palette... pareil de nude, etc. de 88 fards de eBay. Et puis ici vous avez donc une boîte de baume à lèvres, Coca, Fanta, etc. Voilà, donc là c'est ma topic crème que j'utilise en ce moment. Ici vous avez tout ce qui est jumbo, long lasting de chez Kiko, crayon de chez Kiko, crayon de chez Claire's, crayon de chez ELF. Là c'est des crayons aussi mais de chez eBay.
de chez Agnès B. Là, on a un peu de tout, surtout du marron, du noir, mais quelques autres jumbo. Voilà, et puis mes produits pour les cheveux, tout ça. Premier tiroir, vous avez donc tous mes monos. Voilà. Donc tous mes monos qui sont ici, que j'ai encore. Là, vous avez pour les yeux, donc le liner et le mascara, le recourbe-cils, les faux cils au fond. Là, c'est les liners de couleur et pailletés. Ici, on a des petites palettes. Voilà. Et puis, quelques liners encore ici. En dessous, donc, vous avez toutes mes palettes. Donc ici, vous avez les palettes de chez PH Cosmétiques. Donc, la Galaxy et la Brasil. Ici, vous avez donc les Lorac Pro, les Naked. Donc, la 2 et la 3. J'ai malheureusement pas la 1. Donc là, on a encore une petite palette BH Cosmétiques. Ici, c'est celle que Cici Vivi m'avait offert, qui est vraiment jolie comme tout, Playboy. Voilà. Ici, on a les deux cartonnés de chez Too Faced. Donc, je sais pas si je peux peut-être les mettre par là. Je sais pas si ça rentre. Si. Voilà. Là, il y a une place pour d'autres. Ici, on a donc encore des Too Faced. Celle-là, c'est une Too Faced version limitée aussi. Voilà, que vous avez pu voir dans mon swap avec Cici Vivi. Donc, puisqu'on avait troqué ça contre les chaussures. Ici, vous avez donc ma front cover. Sautez sur l'occasion quand vous avez les soldes. Parce qu'elle est vraiment pas chère et elles sont vraiment très très belles. Ici, c'est une cassée de chez Mua. Les Famous. Chez Famous, il n'y a bientôt plus rien. Le site va être fermé. Donc, n'hésitez pas à vite commander. Ça vaut le coup. Voilà, c'est trop beau. C'est dommage que ça ferme. Ici, on a les Sleek. On a les Mua. Et puis, les Modélites. En dessous, vous avez donc tout ce qui est élastique, pinces, etc. Ici, vous avez tout ce qui est serre-tête, bandeau, etc. Donc, au niveau du bureau, donc là, vous avez ma petite poubelle que j'avais achetée sur ce discount. Sur le bureau, il n'y a rien d'exceptionnel. Là, c'est la palette Sephora, vous savez, celle qu'il y a tous les ans. Et puis, quelques bricoles. Voilà. Donc, ensuite, dessus, vous avez donc mes pinceaux qui sont tous là. Voilà, donc il y a un peu de tout. Ici, tous les gloss. Ici, vous avez toutes mes brosses. Voilà. Là, c'est ce que j'utilise au quotidien. Donc, mes brumes, mes eaux micellaires, mes eaux démaquillantes, mes eaux toniques, etc. Dans le premier tiroir, ici, vous avez tous mes jumbo à lèvres et crayons à lèvres. Donc, si vous voulez des revues spéciales sur tel style de produit, n'hésitez pas. Donc ici vous avez tous mes fards crème, etc. Voilà. Donc ensuite il y a mon miroir. Désolée pour la chaise qui grince. Donc au fond, je vous les avais déjà montré, c'est les MAC de chez AliExpress. Les Lime Crime ici de chez AliExpress. Ensuite, vous avez mes plus luxueux, on va dire, rouges à lèvres qui sont à côté. Devant, vous avez plein de petits rouges à lèvres également. Donc, vraiment de tout. Donc, là-haut, vous avez mes rouges à lèvres favoris. Donc, je me relève. Donc, ici, vous avez les Baby Lips, les Essence, les Lip Butter de chez Revlon, des Vivo, des. Merde, je sais plus ça. C'est Maybelline. Donc les petits rouges à lèvres là spécial, surtout pour l'été. Enfin moi c'est ce genre de produit pour l'été, c'est l'idéal. Ici vous avez tous mes baumes. Donc voilà. Ici vous avez encore tous mes autres baumes. Mais ceux-là sont pas en pot, mais en stick. Ici vous avez tous mes Kiko, mes rouges à lèvres Kiko. Parce que bon, de toute façon, les rouges à lèvres Kiko, on n'a pas les couleurs. Donc. Vu que j'en ai un certain nombre, je me suis dit je vais tous les mettre ensemble ici. Et donc ici on a encore plein d'autres rouges à lèvres que j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc on redescend. Donc alors, je ne sais pas si vous savez, mais normalement ici ça soulève. Il y a un compartiment. Mais j'ai mis un petit peu de bordel que j'utilise pas. Et en fait, comme ça, j'ai pu fermer.
et mettre du bordel dessus. Donc voilà. Ici, vous avez tout ce qui est soin. Voilà, donc là, c'est vraiment tout ce qui est soin. Les lingots ou lingettes, les beauty blenders, les éponges, les produits soins pour le contour des yeux, machin. Alors, j'ai mis mes fonds de teint, mes trucs liquides ici parce que c'est plus pratique, on va dire. Donc là, on a mon petit stylo, là, des petites choses, les produits soins, un petit peu en vrac, mais ils sont là. Ici, donc, vous avez tout pour le teint, donc les poudres, toutes les poudres sont là. Voilà, là, c'est toutes les poudres, compactes, libres, etc. Oui, ici, on a tout ce qui est... base à paupières, on a aussi des concealers, des correcteurs. Donc là, pareil, c'est la palette correcteur de chez eBay. Et là, c'est de celle de chez Benefit. Voilà, qui est top, 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 top. Ici, on a les bronzers, les terracotta, les machins. Les highlights. Ici, on a les blushs caries. Donc, on a le rocateur, le... Benefit Coralista, mais celui-ci est de chez AliExpress, c'est pas un vrai. On a le W7 ici. Là, on a des sticks chez Kiko. Les highlights. Là, on a des grandes palettes avec plusieurs fards, tout ça dedans pour faire les combos plusieurs marques. On a Vivo, on a Kiko, etc. J'adore celle de chez Kiko là. Ça, c'est ma toute dernière. Là, on a des blushs de toutes sortes, MAC, Essence, des moins chers aussi, des Catrice, Belle, BH Cosmétiques, Revlon. Ici, c'est Famous. Et puis, on a les sticks, les trucs liquides, les trucs, tout ça, d'un petit peu tout. On a ELF, on a Yves Rocher, on a tout ça. En dessous, vous avez donc du bordel. Donc là, c'est une réserve de rangement. Là, pour les rouges à lèvres. Parce que bon, moi qui suis fan de rouge à lèvres, je pense que je vais finir par les utiliser à nouveau. Voilà. Et puis en dessous, c'est tout ce qui est papeterie. Donc c'est un peu le bordel. Voilà. Donc ensuite, sur le côté, vous avez ici donc ma... oui, cassé la gueule. Donc ici... Donc ici vous avez une petite une petite table de chevet que j'avais retapée. Donc là vous avez cette magnifique lampe avec dessus ici des petites choses. Donc là c'est mon fard à paupières qui est tellement beau que j'ose pas le sortir de chez Etude House. Donc là on a des petites fleurs. Ici on a un gloss. On a des petits cache-bougies. Voilà. Ça, c'est chez Bunny Kawaii. Donc voilà. Et puis là, on a ce magnifique carousel avec un magnifique collier dedans. Qui est tellement joli que pareil, j'ose pas trop les utiliser. Donc là, on a des petits nounours. Tout ça, c'était sur ma fenêtre avant. Donc voilà. Et puis, donc ici, on a un sac avec un lot que j'avais fait gagner mais que la personne ne m'a pas réclamé et pourtant je l'avais contacté par email. Donc je le laisse là et en fait je rajoute des petites choses et puis je ferai un prochain concours. Donc voilà, ici on a mon armoire que je vous ai déjà montré, donc de bijoux. Donc voilà, et si vous voulez des vidéos spéciales, genre vidéo spéciale bijoux ou rouge à lèvres ou n'importe, vous me le dites. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.